Benvinguts i benvingudes un cop més al canal d'Europa Creativa Media Catalunya. El DAF Film Fest Barcelona 2022 va acabar fa uns dies i per fi ens hi vam poder retrobar de forma presencial. El DAF Film Festival Barcelona és l'únic certamen de l'estat espanyol que participa en la celebració del 60è aniversari de la Setmana de la Crítica, la més veterana de les seccions paral·leles del Festival de Cannes. Des de 1962, el Sindicat Francès de la Crítica de Cinema organitza una programació alternativa que posa el focus en els cineastes emergents, autors que tot just presenten la seva primera o segona pel·lícula i que solen passar desapercebuts per la competició oficial per la Palma d'Or, més centrada en noms ja consagrats. La Filmoteca de Catalunya, un dels espais d'A, ha acollit un recull de 11 pel·lícules que han passat per la Setmana de la Crítica entre el 2011 i el 2021 de la mà de qui va ser el seu conseller delegat en aquests 10 anys, Charles Tesson. Vegem un tast en aquest muntatge de Santi Gila i amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya. Да. Сергей Соболев. Ну. У жены вашей схватки. Агам спикев. Дайли, дайли. Альбитай уред гесемисав. Семисело и мамас. Ya sabe para lo que vino. Sí, señora. Con el niño no hay problema, pero con Gerardo sí. Ese muchacho no se cuida con esto de las quemas por la paz. C'est crazy business. Bientôt, il y aura plus à bouffer. Vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. La fac, ça va, ça dit quoi? C'est pas facile, mais ça va. Avec des filles, par contre. Ah ouais? Sophistique. En aquesta selecció de films se'n van projectar 6 d'europeus i tots amb ajut mèdia al desenvolupament i o a la distribució. Van poder parlar amb Charles Tesson sobre la Setmana de la Crítica, sobre mèdia i sobre la seva mirada a la promoció de noves veus en el panorama cinematogràfic, més enllà del cànon establert. A títol recordatori, la Setmana de la Crítica és responsable del descobriment de cineastes com ara Iñárritu, André Arnold, Ken Loach, Bertolucci, Wong Kar-wai, François Ozon i més recentment els nostres Clara Roquet o Oliver Laxe. Mèdia dona suport al desenvolupament de projectes i fomenta el descobriment del nou talent. Quin és el secret de la Setmana de la Crítica per poder detectar aquest jove talent? C'est vrai qu'il faut d'une part avoir le goût de la curiosité, avoir envie de voir énormément de films et puis d'être séduit, étonné par des choses qui fait que ça vous apporte quelque chose de différent de ce que vous voyez habituellement. Et c'est vrai qu'on a souvent des... Il faut faire confiance à ses émotions et à la façon dont le film vous touche. Et la façon dont... C'est vrai qu'on a, en tant que critique, on voit beaucoup de films et je pense que d'en voir beaucoup, on a une grande culture, je dirais, du cinéma et que tout d'un coup, quand quelqu'un fait le cinéma, amène le cinéma ailleurs, une manière de traiter des sujets, etc. Et ce qui m'intéresse le plus dans un film, c'est moins la perfection du savoir-faire, mais une personnalité. Quelqu'un qui a envie de me raconter quelque chose, de me dire des choses avec les moyens qui sont ceux du cinéma. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est passionnant de chercher le... Il y a quand même dans le monde entier une passion pour le cinéma, une envie de faire du cinéma, même dans des pays qui n'ont pas de...
moyens économiques, structures. Mais il y a quelque chose où je suis optimiste là-dessus. Et ce que je trouve passionnant, c'est d'être étonné, d'être séduit, d'être ému. Et ce que m'intéresse le plus, c'est moins la maîtrise de son art qu'une personnalité. Je sens une personnalité dans le style, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de faire des plans. Et ça m'emmène ailleurs. Et plus je vois des singularités, si je peux dire, et plus je suis content. Mèdia dona suport a la innovació narrativa i a les noves apostes visuals. Considera vostè que són els crítics de cinema els responsables de fixar les futures tendències visuals? Les critiques, effectivement, on a un regard particulier. Et le fait qu'un critique soit sélectionneur, c'est la place inhabituelle. Parce que d'habitude, les critiques voient les films en festival, une fois terminés, si je puis dire, et sont des prescripteurs pour conseiller, donner des avis, analyser. C'est vrai que quand on est sélectionneur, on ne peut pas tout demander à un film. On peut demander à un film, c'est plus dans sa manière de raconter une histoire, de traiter un sujet politique ou sociétal très fort, ou d'avoir une ambition plus esthétique, plus poétique. Chaque film peut être ça, et ce qui est important dans une sélection, c'est d'apporter toutes les couleurs possibles du cinéma qu'on fait. Et c'est vrai que là-dessus, c'est important d'avoir cette... parce qu'il ne faut pas non plus être obsédé par le nouveau, parce que comme on dit dans, je crois que c'est dans les Enfants du Paradis, le nouveau c'est vieux comme le monde. Donc il faut se méfier un peu de cette nouveauté-là. Mais ce qui est important, c'est de voir comment... qu'est-ce que le film attend de son spectateur, qu'est-ce qu'il attend du cinéma et quelle réponse il me donne en tant que film. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il faut être accueillant et généreux avec le cinéma. Il faut être aussi exigeant. Et je pense que là-dessus, c'est important de voir comment des générations, puisqu'on voit qu'il y a des générations qui sont un peu écrasées par le poids des aînés, qui ont du mal à surpasser ça ou à trouver une liberté ou des chemins d'école buissonnière. C'est très intéressant de voir comment des jeunes générations, quand elles font des premiers films, tracent un chemin très libre, différent des précédentes générations, sans être contre les générations auparavant, mais ont envie d'explorer d'autres voies. Et je trouve que là-dessus, les premiers films, c'est encore un endroit où on a cette liberté et c'est magnifique. Mèdia dona suport a festivals amb programació europea. En el recull dels 11 films presentats al DA, hi ha una majoria de cine europeu. Segons la seva experiència, la selecció final de l'Assemblée de la Critique és majoritàriament europea? C'est vrai, c'est pas le... c'est les films, quoi. Mais c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même un système, en termes de politique de cinéma, de production, de coproduction. Et quand il y a plusieurs coproducteurs européens, il y a les aides, etc. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de producteurs européens, en France, Ibermedia en Espagne par rapport à l'Amérique latine, l'Allemagne aussi par rapport aux pays d'Asie, qui est aussi un système de coproduction qui ouvre à tous les cinémas du monde. La France a également ça. Et je trouve que c'est important que là aussi, l'Europe ne se contente pas seulement d'avoir un très bon cinéma européen, mais aussi d'avoir des ouvertures en termes de coproduction sur d'autres cinématographies. Je trouve que là-dessus, c'est formidable, cette politique-là. Et puis c'est important le rôle des festivals par rapport à tout ça, parce que je pense que les festivals, c'est les vraies fêtes de cinéma aussi. Il y a quand même beaucoup de publics qui viennent voir des films en festival, parce que c'est comme une sorte de fête du cinéma, une sorte de contrat de confiance entre les programmateurs de festivals et les films. Et puis après, il faut éviter aussi le côté ghetto des festivals dans une sorte d'entre-soi. Il faut aussi avoir l'idée, quand on choisit un film, c'est le festival doit le faire connaître, la presse va en parler, il va pouvoir sortir, et il faut que ça soit plutôt un tremplin pour l'amener vers les salles et le public, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, le rôle des festivals, on a une responsabilité énorme par rapport, un, à l'évolution du cinéma, puis deux, aussi à la vie du monde du cinéma jusqu'au public, à la diffusion et tout. Donc ça, c'est là-dessus. Enfin, c'est un rôle précieux, mais qui est passionnant. La Semaine de la Critique représente d'alguna manera pels cinéastes un pont previ en el seu camí cap a la Palma d'Or. C'est-à-dire que nous, il y a beaucoup de cinéastes, c'est un peu notre fierté, parce qu'il y a des festivals, ou même, on le dit souvent, la compétition à Cannes, où c'est souvent les mêmes cinéastes, Ken Loach, Tarden, ce sont des très bons cinéastes, ils font des très bons films, on a envie de les sélectionner, ça me paraît tout à fait logique. Mais nous, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on est heureux quand tout d'un coup on a sélectionné un film, on a cru en ce cinéaste-là, et après, on le voit en compétition à Cannes, on le voit à Venise, on le voit faire une carrière dans d'autres festivals. Donc pour nous, c'est notre plus grand bonheur. Ça veut dire qu'on a fait le travail et qu'il ne s'agit pas seulement de sélectionner des films, mais aussi de sélectionner des cinéastes
qui vont, dans le cinéma, apporter une tonalité qui leur est propre, quoi. C'est ça qui est le plus dur pour sélectionner un film. C'est-à-dire, c'est de savoir comment la personne va se projeter dans le cinéma à partir de ce premier film-là. Parfois, il y a des films premiers qui sont tellement bien, ils ont du mal à enclencher sur la suite. Il y a des films parfois qui sont plus fragiles, qui ont des défauts. Mais moi, c'est comme Renoir qui disait, les films, c'est comme les personnes, les défauts, ça les rend un peu humains, et les gens parfaits sont ennuyeux. Donc les films aussi, quand ils ont des défauts, ils peuvent être touchants. Et je pense que là-dessus, c'est important de pouvoir déceler ces choses-là dans les nouveaux talents, mais c'est passionnant. Mèdia parla sempre de diversitat cultural, però alhora d'indústria. Creu que la competència d'òperes primes ha anat en augment en els darrers anys? En què s'ha, d'alguna manera, democratitzat la manera de fer cinema? C'est vrai que je trouve que par rapport à la politique qui commence avec le court-métrage, il faut rappeler que le court-métrage reste quand même un élément important, même s'il est peu diffusé en salle, mais à la télévision et dans les festivals. Mais quand on a un projet de long-métrage, dans les commissions, on lit le scénario, mais aussi on regarde les courts-métrages, qui ont une importance essentielle pour enclencher. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide et d'encouragement aux premiers films, y compris dans les festivals, à Cannes, à Caméra d'Or, incités à sélectionner les premiers films. Je dirais que le plus compliqué, c'est la suite. C'est d'enclencher le deuxième et le troisième. Et des fois, si le deuxième déçoit par rapport au premier, c'est compliqué. Et c'est, je crois que c'est les trois premiers les plus difficiles. Si vous avez enchaîné très bien les deux, trois, après, je pense que vous pouvez continuer plus facilement. Mais c'est vrai qu'en Europe, et puis dans beaucoup de pays, il y a quand même, grâce au festival, grâce à la production, grâce à un travail de producteur indépendant. Il faut dire que tout ce travail de découverte et de prospection, même s'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui, mais ce travail de dénicher des nouveaux talents dans les festivals, des courts-métrages, les premiers films, c'est le monde du cinéma et des festivals et des producteurs indépendants qui se fait. Donc ce tissu de diversité dans la production est vraiment la chose la plus importante qui soit. Mèdia parla de paritat de gènere, inclusivitat i diversitat. Quina és la posició de la Semaine de la Critique al respecte? Creu que Ava Caen, que l'ha succeït en el càrrec, pot aportar aquest canvi? Oui, c'est vrai que moi, je l'ai senti déjà dans la semaine quand moi j'y étais. Il y avait toujours un comité de sélection parité homme-femme avant même qu'on en parle, parce que je trouvais que c'était la chose pour moi la plus évidente. J'ai vu aussi, puisque j'enseigne à l'université, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'étudiantes qui voulaient étudier le cinéma à l'université, parfois plus ou autant que des garçons. Mais après, on avait du mal à les retrouver dans les films longs-métrages. Les choses évoluent et je trouve que c'est très important. Enfin, d'une part, même si les pressions, si je puis dire, pour des quotas et tout, mais après, je crois que c'est des pressions qui ont été utiles pour sensibiliser, faire attention. Mais après, il faut prendre les films pour ce qu'ils sont. Parce que ce qui m'intéresse maintenant beaucoup chez les réalisatrices, c'est qu'il y a plus de diversité dans les sujets. Les premiers films, c'était plus par rapport, effectivement, patriarcat, émancipation, ces sujets-là, qui sont des passages importants et des sujets forts. Mais je vois maintenant des diversités aussi esthétiques. Quand je vois, par exemple, Julia Ducournau, Titane, ou Cru, ou Grave, on est sur des choses qui ne sont pas spécialement attendues. Et ce que j'aime beaucoup dans la génération des réalisatrices aujourd'hui, c'est qu'il y a une plus grande diversité des sujets, des dimensions esthétiques, et tout d'un coup, cette variété fait la richesse aussi de ce cinéma féminin. Què és el que l'audiovisual europeu necessita ara mateix per preservar la seva identitat davant els nous models de negoci que inclouen el consum a les plataformes i l'adquisició de sofàs? Cette question-là est très importante parce qu'effectivement, par rapport à la situation du confinement et des fermetures des salles, même si je sais qu'en Espagne, vous n'avez pas fermé les salles, mais en France, oui, et ça a eu des conséquences assez terribles. Et c'est vrai qu'il faut... Je pense qu'il faut... C'est important, c'est d'abord le tissu de la production et de la diversité, puis en même temps les salles et le rôle des festivals. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il faudrait, ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait un fossé entre, parce qu'avant, au cinéma, il y avait un tissu, on ne pouvait pas dire art house, grand public, il y avait des cinéastes comme Ozon et tout, on ne peut pas dire que c'est du cinéma d'auteur, mais c'est un cinéma grand public, ou c'est pas, et c'est important de maintenir cet arc. Comme ça. Alors que les plateformes, c'est soit des auteurs, c'est des films identifiés, et il ne faudrait pas que tout d'un coup les plateformes soient des grosses machines américaines, des blockbusters, et puis d'autres films à essai dans les salles. Ce qui est important, c'est de maintenir un tissu et ne pas rester dans des ghettos,
art house, plus grand public. Ça, c'est les plateformes et ça. Et donc là, il faut maintenir ce tissu-là. Et ça, c'est le plus compliqué. Et c'est pour ça que c'est, on le dit souvent, c'est facile de produire un premier film à 1 million d'euros. Mais produire un film d'auteur qui attend son huitième film, qui coûte 5 millions d'euros, il a besoin de ces 5 millions, comme Léos Carax quand il fait son film là. Mais là, il faut trouver un financement qui permette à cette exigence artistique de s'exprimer avec d'autres moyens. Ça, ça me paraît le plus important. Creu que La Sement és un bon exemple de preservació dels valors en l'educació en la imatge que Mèdia defensa? Ce qui est très important, et ça, en tant que critique, nous, on est très sensible à ça, c'est aussi de former, non pas de former un public, mais de former, il y a quand même beaucoup de personnes qui, si on ne leur avait pas dit d'aller voir ce film-là, n'y seraient pas allées, n'auraient pas été émues, bouleversées. C'est des rencontres. C'est très important, c'est pour ça que l'importance d'ouvrir le cinéma à l'école, de faire en sorte que des enfants, des adolescents aillent au cinéma, de les sensibiliser au cinéma, au VO, de leur donner le goût d'un cinéma qui n'est pas celui que les plateformes peuvent leur donner, et ça peut les éveiller, les intéresser, les ouvrir. Ça, c'est un travail de fond qui est essentiel, parce qu'on le voit même en France, on dit que le public, avant, les gens qui allaient le plus au cinéma, c'était les jeunes. Le public RSA, c'est un public un peu comme moi, cheveux gris, plus âgé, et les jeunes n'y vont pas. Il faut former ces nouveaux publics. L'école, dans les lycées, à l'université, est un lieu essentiel de formation à la culture cinématographique, à un cinéma différent. Il faut former le public, le familiariser, lui donner le goût critique, le goût du regard critique, de ce que le cinéma donne et procure. Et ça, c'est tout un travail de fond. S'il n'est pas fait, ça va être très, très compliqué. Merci beaucoup, Messier Tesson. En nom d'Europa Creativa Mèdia Catalunya, agraïm la col·laboració del DAF Film Festival Barcelona i de la Filmoteca de Catalunya per acollir-nos i fer possible aquest encontre. I us convidem a seguir-nos. Gràcies.